Bonjour tout le monde, vous avez vu, j'ai joué avec des couleurs aujourd'hui. Je me suis amusée avec la nouvelle collection Utopia de Beauty Bay et je sais pas si j'aime bien ou pas ce maquillage. Je crois juste que c'est parce que je ne suis pas trop habituée à porter ce type de make-up là. Je crois que j'aime bien, mais j'ai un doute. Comme toujours, tous les produits que j'ai utilisés pour me maquiller seront dans la barre d'infos et je continue les tests avec cette collection et je vous en reparle bientôt. On n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est là pour une vidéo haul et unboxing. Je vais vous présenter mes derniers achats et les colis que j'ai reçus de la part de certaines marques. Et je vais commencer par un colis que j'ai tant attendu. J'ai eu quelques petits soucis avec cette commande-là et je voyais sur Instagram que vous aviez déjà reçu vos colis. Et moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Mon colis est toujours aux États-Unis. Pourquoi il n'est pas parti? C'est la dernière collection de chez Pat McGrath que j'ai commandée le jour de la sortie. J'ai pris la livraison express et normalement ça va plus ou moins vite avec la livraison express. Hein. Les envois chez Pat McGrath, c'est un petit peu compliqué. Déjà, en prenant la livraison express, c'est long. Alors si on ne prend pas la livraison express, ça prend des semaines. Voilà, et moi j'ai pas la patience d'attendre des semaines. Là, je commence par quoi? Je commence par quoi? Je sais pas. Je sais pas. Vous savez ce que je vais faire? Je vais mélanger ce qu'il y a dans mon carton. Et je vais piocher au hasard et je pioche un blush. Ce sont les Divine Blush. Je vous montre le packaging de cette collection avant de commencer à ouvrir les petits cartons parce que rien que ça, rien que les boîtes en fait, je les trouve vraiment très très belles. Donc c'est la teinte Blush Flirtatious. Flirtatious, je ne sais pas, ce sera dans la barre d'infos. Donc ça s'ouvre joliment, hein. Voilà, c'est les packaging Pat McGrath. Ensuite, le blush se présente dans ce boîtier-là. Et ensuite, quand on ouvre, le blush se présente comme ça. Vous êtes conscient que vous découvrez avant moi ce produit, que j'ai même pas encore posé mes yeux dessus et que je vous montre d'abord à vous. Si c'est pas de l'amour, ça. Laissez-moi maintenant vous swatcher cette première teinte. C'est très très doux sous le doigt. La texture a l'air un petit peu soyeuse. Alors, je n'ai absolument pas regardé de vidéo YouTube par rapport à cette collection. J'ai vu quelques vidéos Instagram, mais en fait, il y avait juste de la musique. Il n'y avait pas de description au niveau du produit, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'ai l'impression qu'on est sur un fini semi-mat. Vous savez, un petit peu effet seconde peau, pas trop lumineux, mais pas complètement mat non plus. La pigmentation a l'air vraiment très bonne. Vous voyez cette petite lumière légère qui se dégage du swatch, c'est vraiment le genre de texture et de rendu que j'aime beaucoup en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que je pioche? Un autre Divine Blush, c'est la teinte Nude Venus. La teinte ressemble à ça, donc on est sur un blush plus pêche, on a quand même des sous-tons roses hein, et c'est un petit peu plus chaud. Du coup, petit swatch. Oh, c'est dur hein, de mettre les doigts dans ces produits, c'est tellement joli. Alors là, je vous swatch la collection Pat McGrath, mais je vais pas pouvoir tout vous swatcher, je vais pas m'en sortir. Voilà, ça c'est la deuxième teinte que j'ai choisie. J'ai l'impression qu'on est sur le même genre de fini, un petit peu semi-mat. Ensuite, encore un Divine Blush, mais en même temps j'en ai pris 4. Donc forcément, il y a plus de chances que je pioche des blushs. J'ai pris la teinte Desert Orchid. Il me semble, dans mon souvenir, que cette teinte-là est plus lumineuse que les deux premières. Je sais pas, regardez cette teinte comme elle est belle. Le genre de blush qui peut faire office de bronzer également. Et est-ce que c'est un petit peu plus lumineux? Non, mais pas forcément. Je croyais que celui-ci était plus lumineux. C'est le même fini, c'est-à-dire que c'est un tout petit peu lumineux. Ça apporte quand même un petit peu d'éclat, j'ai l'impression, à la peau. Et ensuite, je vais vous montrer donc le dernier blush que j'ai pris tant que j'y suis. J'ai pris la teinte Nymphette. Et donc la teinte ressemble à ça pour le blush Nymphette. Donc on est sur un rose doux, moins neutre que la première teinte. Et j'ai l'impression que le fini est plus ou moins le même. Bon, j'irai voir sur le site Pat McGrath parce que vraiment, il me semblait qu'il y avait plusieurs finis. Je vous ai mis la teinte Nymphette ici. Vous voyez, je vous dis que la première teinte est plus neutre, un petit peu plus pâle. Et je suis très très contente des teintes que j'ai prises. Ensuite, j'ai aussi pris l'enlumineur. Donc c'est le Divine Glow. J'ai l'impression que le packaging est le même. Oh là là! Il y a un petit peu de poudre sur le boîtier de l'enlumineur comme si c'était... Non, ça va. Oh, j'ai eu peur. Mais vous voyez, regardez, il y a de la poudre un petit peu partout sur le miroir, autour du produit, donc j'avais vraiment peur que ce soit cassé. On est sur un enlumineur plutôt doré, avec des sous-tons peut-être un petit peu roses. C'est très 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 léger et un petit peu pêche. Voilà, donc ça ressemble à ça. Bon, après la texture elle est vraiment très 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 fine. Et je vous en reparle, hein. De toute façon ce sera dans mes futures vidéos. J'ai également pris le quad de la collection. Donc c'est le Venus in Fleur Luxe Quad Voyeuristic Vixen. Très très simple comme nom, hein, je vous l'accorde. C'est très joli. Ça me plaît beaucoup. Donc on est sur des teintes qui sont plutôt nude et on a comme toujours différents finis dans les quads de Pat McGrath. Donc il y a un mat et ensuite ce sont des lumineux, mais j'ai l'impression aussi que les lumineux
ont différents finis. C'est super, super fondant sous le doigt. Par contre, j'ai eu des retours de certaines d'entre vous qui me disaient qu'il faut appliquer une colle à paillettes avec cette ombre à paupières qui a tendance à être un petit peu volatile, vous voyez. Je vous montre le swatch, c'est absolument sublime, lumineux, métallisé, avec différents reflets dorés, roses et peut-être un petit peu pêche orangée aussi. C'est vraiment, vraiment très très beau. J'ai fini de vous swatcher la palette. Donc là, c'est une ombre mate. Là, c'est un métallisé, mais on a quelques petites paillettes. On a un petit côté scintillant sur ce métallisé. Là, c'est un lumineux assez intense en lumière, presque métallisé en fait, mais sans petites paillettes, il n'y a pas d'effet scintillant. Et puis là, bon, c'est la teinte, comme je vous ai dit, multi-reflet. Voilà pour ce quad. Et enfin, j'ai pris un rouge à lèvres liquide parce que j'aime beaucoup ces produits, mais il ne faisait pas partie de la nouvelle collection. C'était une teinte que je voulais depuis un petit moment et j'attendais de passer une commande sur le site de Pat McGrath pour la commander. C'est la teinte Spellbound des rouges à lèvres liquides. Je vous en ai parlé récemment, je crois que c'était dans ma dernière vidéo favori, et j'avais une teinte très rose. Et là, waouh, c'est beau. J'adore cette teinte. J'avais vu au swatch que ça ressemblait à ça et ça me plaît vraiment vraiment beaucoup. Et la qualité de ces rouges à lèvres est vraiment très très bonne. C'est pas la meilleure tenue, mais c'est hyper hyper confortable. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part du site Monochrome Beauty. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a dans ce colis. Merci à Charlotte, Charlotte si tu passes par là, de m'avoir envoyé ce petit colis. Ça y est, je sais ce que c'est. C'était marqué sur le petit mot que j'ai reçu de la part de Charlotte. Et je ne sais pas si vous suivez le compte Instagram Monochrome Beauty. Elle partage souvent de très très jolis produits et des marques qu'on ne trouve pas partout facilement, comme par exemple Carla Cosmetics. Et plein d'autres marques, on y trouve aussi Danessa Myricks, on y trouve la marque Cosette, je vous avais présenté ça sur Instagram. Les lumineux de cette marque sont vraiment très jolis, il me semble aussi qu'elle vend Suva Beauty, bref, il y a plein plein de marques assez sympas sur son site. Et j'ai vu sur Instagram récemment qu'elle avait reçu les nouveautés, je crois que c'est des nouveautés hein, de la marque Carla Cosmetics, donc ce sont les Silky Gel Eyeshadow. Ça se présente comme ça au niveau de l'emballage. Et j'ai vu passer les swatchs sur son compte Instagram, ça a l'air complètement dingue. Donc, le petit pot se présente comme ça. Je vais vous swatcher la teinte là, Lullaby. Et ce sont des ombres en gel. Et je vous montre le swatch en direct. Donc comme... Ah, c'est fou. Alors moi là, avec l'angle que j'ai sur ma main, je vois du violet. Et quand je regarde dans le retour de ma caméra, je vois un bleu. Bleu vert, un vert bleuté violet. C'est fou, c'est vraiment très marqué entre le vert et le violet. En fait, la nuance de couleur est vraiment vraiment intense. En fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais la manière dont la couleur change, je trouve que c'est vraiment rapide et très distinct au niveau des couleurs. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Donc là, j'ai l'impression qu'on voit le violet, vous voyez, et là, hop, le vert, bleu, vert, vert. J'ai l'impression que, oui, ça, c'est en train de sécher complètement et j'ai l'impression que ça se fige. Et ensuite, elle m'a envoyé donc une deuxième teinte. C'est la teinte Snooze. Je vous montre dans le petit pot à quoi ça ressemble également. Petit swatch en direct. Comme d'hab, vous découvrez avant moi. Voilà, la pigmentation est également très très bonne. Ça s'étale, vous voyez, de manière uniforme. Et donc là, on est sur une teinte entre le vert kaki lumineux et le rose. Vous savez, ça me fait penser à la teinte dans la palette Divine Rose de Mothership 8 de chez Pat McGrath. On est sur le même genre de teinte. C'est vraiment très très beau. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se comporter sur les yeux et le rendu que ça peut avoir sur la paupière. J'ai beaucoup entendu parler hein, des ombres à paupières Carla Cosmetics, que ce soit les ombres liquides ou les ombres poudre. Apparemment, c'est absolument sublime. J'attrape ma dernière commande que j'ai passée sur le site de Sephora. J'ai commandé les nouveautés de chez Tarte. Alors quand je dis nouveautés, c'est nouveautés chez nous, sur le site de Sephora, mais ces produits-là sont sortis depuis un bon moment sur le site officiel de Tarte aux États-Unis. Ce sont des produits crème. Ils ont sorti un bronzer qui s'appelle le Breezy en teinte Seychelles. Ça se présente comme ça, ça a l'air assez foncé, mais apparemment c'est un produit qui se travaille hyper hyper facilement. Je sais qu'il a très bonne réputation ce produit et j'ai déjà eu un retour de la part d'Élise. Je sais, je vous parle souvent d'Élise, mais parce qu'on papote souvent make-up. Et elle m'a dit que ces produits se travaillaient à merveille, voilà, et que c'était hyper facile à appliquer, que ça se diffusait très bien. Donc j'ai hâte de tester. Le swatch, ça donne ça au niveau de ce bronzer crème. Donc oui, effectivement, je pense qu'en diffusant bien la matière, ça ira tout à fait à ma carnation. J'ai également pris un blush crème de la même collection. Donc c'est le Breezy Cream Blush que j'ai pris en teinte Pinch.
Peach Sunset. Ah, le packaging n'est pas tout à fait le même. Regardez, je pensais que ce serait exactement la même chose. Là, vous avez le bronzer et là, ici, c'est le blush. Voilà, ça, on n'a pas la même forme. Et oui, très très jolie teinte. J'aime beaucoup, beaucoup ce genre de teinte. En général, ça matche bien ce genre de couleur par rapport à ma carnation. Et je vous ai mis le swatch ici au-dessus du bronzer. Voilà, la pigmentation a l'air bonne. Mais encore une fois, Elise m'a dit que ça n'était pas dérangeant. Au moment où on travaille le produit, vraiment, ça s'estompe très très bien. Voilà, donc... hâte de tester ces produits. Dites-moi d'ailleurs en commentaire également quels sont les produits que vous voudriez voir en priorité dans ma prochaine vidéo. Voilà, je ferai en fonction de ce que vous me dites. Et toujours dans la même collection, j'ai pris le gloss toujours de chez Tarte. C'est le Salt, enfin la teinte c'est Salt Life et c'est le H2O Gloss. Packaging, ça se présente comme ceci et je vous souhaite la teinte tout de suite. Ça a l'air assez épais comme texture à voir après sur les lèvres, la sensation qu'on a. Et voilà, je vous l'ai mis ici, le gloss, c'est très très glossy, on a une opacité moyenne pour un gloss, c'est pas hyper transparent, c'est pas non plus ultra opaque, donc allez, j'applique. La texture n'est pas du tout glissante, hein. C'est une texture qui se tient, qui est vraiment crémeuse, et j'avais peur que la texture soit un petit peu collante, pour l'instant ça n'est pas le cas, mais à voir comment est-ce que ça va évoluer. J'ai un petit doute quand même sur cette texture. Laissez-moi attraper mon sac de chez MAC. J'ai pris chez eux le nouveau fond de teint, c'est le Studio Fix Tech Cream to Powder Foundation. Vous avez été quelques-unes à me recommander ce fond de teint, c'est pour ça que je suis allée chez MAC pour l'acheter. Au moins, j'ai pu trouver la teinte qui me correspond le mieux. J'ai pris la teinte NC20 et je n'ai pas testé le produit. Si vous voyez qu'il est un petit peu utilisé déjà, c'est parce que je l'ai re-swatché depuis chez moi, mais je ne l'ai pas encore, voilà, je n'ai pas encore vraiment testé. Je vous montre la teinte, ce que ça donne. Donc c'est vraiment, là on dirait que c'est un petit peu clair pour ma peau, mais sur mon visage, c'est tout à fait adapté à ma carnation. Et apparemment, ce produit est très très beau sur la peau. J'ai également pris deux ombres à paupières. Laissez-moi vous montrer. Je me baladais dans le magasin avec ma Sonia. On regardait un petit peu toutes les nouveautés. On s'extasiait devant tous ces blushs, tous ces rouges à lèvres. Et à un moment, Sonia m'arrête et me dit « Regarde, ces ombres à paupières ont l'air vraiment, vraiment très très belles. » Donc on a swatché avec des petits cotons-tiges parce qu'on ne peut pas swatcher avec nos doigts. En tout cas chez MAC. Et effectivement, mais ça avait l'air tellement beau. Je n'ai pas pu résister, Sonia non plus. J'ai pris tout d'abord le Dazzle Shadow Extreme en teinte Joie de Glitz. Regardez-moi cette beauté-là. C'est un fard métallisé vert. Regardez. Voilà, c'est vraiment très très beau. Donc vous comprenez hein, que quand Sonia m'a montré cette ombre à paupières, je n'ai pas pu résister. J'ai également pris, toujours dans les Dazzle Shadow, mais pas la version extrême. La extrême, ça veut dire que c'est métallisé. Là, on est sur un fini un petit peu différent, plus scintillant, plus pailleté, un petit peu moins métallisé fondant. C'est la teinte I Like to Swatch. Et donc on est sur un duochrome doré, vert, vraiment très très beau. Laissez-moi vous swatcher cette teinte-là. Et c'est une teinte plus en transparence, c'est beaucoup moins opaque en fait que le Dazzle Shadow Extreme. On peut l'utiliser soit seul, soit comme un topper. Et c'est un petit peu, comme je vous dis, pailleté et scintillant. Voilà, c'est la teinte que j'ai mise ici. On a un petit effet mouillé, vous voyez, sur la peau. Et je vois du doré, je vois un petit peu de vert cranberry, ça me fait un petit peu penser à la teinte Sienna de Natasha Denona. Et j'ai également pris deux de leurs nouveaux rouges à lèvres, ce sont les Love Me Liquid Lip Color. J'ai pris deux teintes, alors laissez-moi tout d'abord vous montrer le packaging, à quoi ça ressemble. Je vous fais des petits swatchs des teintes que j'ai choisies. Non mais c'est bien parce que je vous avais dit que, comme d'hab en fait, j'arrive pas à faire autrement. À chaque fois je vous dis non, je vous fais pas tous les swatchs, c'est trop long. C'est trop long. Et en fait, à chaque fois, j'ai trop envie de vous montrer ce que ça donne. Donc cette teinte-là, ici, c'est la numéro 499 Coffee and Geeks. J'y vois pas très bien, donc je suis pas sûre que ce soit ça, mais ce sera dans la barre d'infos de toute façon. Et la teinte plus nude et plus pâle ici, c'est la teinte Laissez Faire 490. Et apparemment, ces rouges à lèvres ont une excellente tenue. Ils ont une texture crémeuse qui est hyper agréable à porter. Donc, à tester également. Le colis suivant, je l'ai reçu de la part de Byteri. Je ne l'ai pas non plus ouvert, hein. Je voulais le garder pour l'ouvrir avec vous. En fait, ils ont sorti un kit récemment avec une trousse de maquillage et les best-seller, il me semble, de la marque à l'intérieur de cette trousse. Alors la trousse est quand même assez grande, je m'attendais à quelque chose de plus petit, donc ça me va que ce soit grand, parce que vous savez que quand je pars en déplacement, j'ai besoin de grandes trousses pour mettre tout mon maquillage. Donc à l'intérieur de cette trousse, on a le Brightening CC Serum en teinte Sunny Flash, un de mes produits préférés de chez Byteri. On a 10 ml de produit. Ensuite, on trouve dans ce kit le mascara Terribly Haute Croissance en format voyage. On a 4 g de produit dans ce mascara. Il y a un format voyage de la crème pour les mains dans
dans la gamme Baume de Rose avec 15 grammes de produit. La base maquillage Hyaluronique Hydra Primer, toujours 15 grammes de produit dans ce tube-là. Ensuite, on a une petite ombre Black Star en format voyage également. C'est la teinte Bronze Moon et on a 0,9 grammes de produit dans cette ombre crème. Nous avons un baume pour les lèvres nourrissant. C'est le baume de rose de chez By Terry qui est vraiment très très connu. Et on a à l'intérieur 2,3 grammes de produit. Je vous donne la quantité pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que contient vraiment ce kit. On a le Titoutane en format voyage, un de mes produits également préférés chez By Terry. L'eau de soleil Hydra bronzante intégrale. Et là, on a quand même 30 ml de produit. C'est vraiment pas mal toutes ces miniatures pour tester parce que je trouve que c'est pas rikiki rikiki comme quantité. Regardez-moi comme c'est mignon, ce petit pinceau à emporter dans le sac à main. Donc c'est un petit pinceau kabuki. Voilà. Et ensuite, on a la poudre Hyaluronique Hydra Powder, toujours en format voyage. Moi, je trouve ça trop mignon, les formats voyage. Et dans ce boîtier-là, nous avons 1,5 g de produit. Et il y a également dans le kit des échantillons. Donc, échantillon de l'anticerne Hyaluronique Hydra Concealer et échantillon du fond de teint Hyaluronique Hydra Foundation. Voilà ce qu'on retrouve dans cette trousse. Donc, je trouve que c'est quand même pas mal. Je me dis que ça peut être sympa pour découvrir la marque si vous n'avez jamais testé ou si vous voulez choper des petits formats voyage pour partir en week-end, en vacances et tout. Ça peut être pratique aussi. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de Beauty Bay parce que je voulais absolument commander la nouvelle poudre de Linda Alberg, c'est la Blotting Powder, et apparemment cette poudre est super efficace pour matifier la peau ou rematifier au cours de la journée. J'ai eu quelques retours de votre part, vous me disiez Gabi, il faut absolument que tu testes parce que elle est hyper hyper performante cette poudre. Donc c'est une poudre en format compact comme ça, translucide, donc j'imagine que ce sera adapté un petit peu à toutes les carnations. Je vais tester ça, et j'en ai profité pour prendre également un produit de la marque XX Revolution, c'est le Bronze Skin Cream Bronzer que j'ai pris en teinte Inspire. Oh, j'aime bien la teinte. Donc c'est un bronzer crème en pot, comme ça le pot est en verre, ça fait assez qualitatif je trouve comme packaging. On a 28 grammes de produit dans ce bronzer et laissez-moi swatcher. Je vous ai mis le swatch ici du bronzer XX Revolution, donc j'ai hâte de tester parce que la texture a l'air assez fondante, assez fine et presque un petit peu poudré sous le doigt, mais pas non plus complètement velouté, vous voyez. Mais j'ai l'impression que ça ne laisse pas vraiment de fini crémeux ou glossy sur la peau. Donc voilà, ça peut-être être une bonne option dans des bronzers à prix abordable. Donc ça, c'était pour ma commande Beauty Bay. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site de NARS pour tester la nouvelle palette qui vient tout juste de sortir. C'est la NARS Orgasm on the Beach Cheek Palette. Et on a des blushs et des enlumineurs dans cette palette-là. Je l'ai déjà un petit peu testé. Le packaging ressemble à ça. On a un grand miroir à l'intérieur. Et on a donc 6 teintes, 2 enlumineurs et ensuite plutôt des blushs plus ou moins lumineux. Alors j'ai testé les enlumineurs et j'ai testé le blush orgasme de cette palette. Et j'ai pas tout testé, donc je vous en reparle. Mais pour l'instant ça s'est très très bien passé. Ça m'a beaucoup plu, le rendu sur la peau. Ensuite, j'ai reçu 2 produits de la marque First Aid Beauty. Ce produit-là, je vous l'ai déjà un petit peu présenté sur un Instagram. En fait, j'ai juste appliqué à la caméra. Mais je ne sais pas trop quoi vous dire encore par rapport à ce produit. Donc c'est la base hydratante smoothie à la noix de coco. Et ils m'ont également envoyé un soin pour la peau. C'est l'hydratant régulateur de sébum ultra réparateur, matifie et hydrate la peau. Et en voyant le nom et les promesses de ce produit, je me suis dit que cet été sur ma peau mixte, ça pouvait être intéressant. Le packaging, rapidement, je vous montre. Ça se présente comme ça et la base se présente également comme ça. Et j'ai la crème hydratante également de cette gamme à la noix de coco que j'avais commandée sur Sephora il y a quelques temps de ça, mais je n'ai pas encore testé. Et enfin, le dernier colis que je voulais vous présenter, c'est une commande que j'ai passée en ligne. Fin de semaine dernière, je voulais absolument acheter 2 teintes supplémentaires, des nouveaux blushs Givenchy. Ce sont les Prismes Libres Blush. Il y a une vidéo sur ma chaîne concernant ces blushs, je vous l'accroche ici. Et j'ai eu un coup de cœur pour ces produits-là. Donc voilà, je vous ai dit hein, que j'allais probablement racheter d'autres teintes. J'avais déjà la teinte 4. Et là, j'ai pris la teinte 2 et la teinte 3. Alors regardez, ici vous avez la teinte 3, ici vous avez la teinte 2. On a un effet miroir sur le dessus du packaging ici. Et on a combien de grammes dans ces produits? 4 fois 1,5 g. Donc au total on a 6 g de produits dans ces blushs.
Ah, ils sont un petit peu parfumés. J'avais pas remarqué sur la teinte numéro 4. J'ai pas dû faire attention. Mais là, de les ouvrir comme ça, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une petite odeur. C'est léger. C'est pas du tout agressif pour les naseaux. Hein. Non, ça va. C'est vraiment très très léger. Et pour vous swatcher ces blushs, je mélange les 4 teintes. Donc ici, vous avez la teinte numéro 3. Et ici, vous avez la teinte numéro 2. Regardez le petit éclat léger, subtil qui se dégage de ces blushs. Et comme je vous ai dit dans ma vidéo de présentation sur ces produits, ce blush lisse ma peau. On a presque un effet un petit peu poudre libre matifiante, vous voyez, sous le doigt. Mais ça n'est pas matifiant, ça apporte très 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 très, j'insiste, naturellement un petit peu d'éclat. C'est même pas un blush vraiment lumineux en fait. Et ça a tendance à lisser ma peau là où je dépose le blush sur ma main en fait. Voilà pour les 2 teintes que j'ai prises et vraiment je suis absolument fan de ces blushs. J'ai terminé de vous présenter mes derniers achats et les colis que j'ai reçus. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir et à vous abonner si vous voulez continuer les aventures YouTube avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous attends dans les commentaires pour savoir ce que vous voulez que je teste. Je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.